me to a getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur l'iPhone 7. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc là à ma droite on retrouve l'iPhone 7, ici la boîte. Donc la boîte on s'en fout un petit peu, on va mettre ça de côté. Donc on va commencer par les points positifs sur cet iPhone 7. Donc déjà pour commencer c'est le démarrage de l'iPhone 7. Il y a beaucoup de progrès au niveau du démarrage. Notamment le téléphone démarre sous moins de 20 secondes. Donc à peu près 15 secondes, ça dépend de ce que vous mettez dessus. Mais moi j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de photos et l'iPhone démarre en moins de 20 secondes. La rapidité aussi tout aussi rapide que tous les autres iPhone d'avant. On a un processeur A10 avec la mise à jour de iOS 10.2. Là aussi on a vraiment une très très grosse amélioration sur la rapidité de l'iPhone 7. On va y revenir juste après sur les rapidités, surtout sur l'application Snapchat et sur les jeux vidéo. La batterie, donc il y a beaucoup de gens qui disent que l'iPhone 7 ne tient pas la journée en allant sur les réseaux sociaux, en allant regarder des vidéos sur YouTube, tout ça. Et bien moi je suis pas d'accord avec cet avis de ces gens-là. Tout simplement pourquoi? Apple a mis en place un mode pour activer l'économie d'énergie. En fait ça va désactiver les fonctionnalités les plus lourdes sur votre iPhone, c'est-à-dire les mises à jour automatiques, tout ça. Ça va désactiver tout ça ou les limiter et ça va permettre à votre iPhone 7 de réduire la consommation d'énergie. Donc sur l'application Snapchat, sur tous les anciens iPhones, l'application Snapchat que vous utilisez pour aller prendre des snaps tout ça, ça a diminué rapidement la batterie de votre iPhone. Et avec cet iPhone 7, ce n'est pas le cas. L'iPhone 7 gère vraiment l'application et il s'en sert très bien. Hier je suis allé sur Snapchat pendant 15 minutes et j'ai baissé que d'1% sur la batterie, donc vraiment j'étais bluffé. Parce que ça m'a étonné, j'ai jamais resté autant sur Snapchat depuis que j'ai l'iPhone et je trouve que c'est un énorme progrès au niveau de Snapchat et je pense aussi de la part de chez Apple. Parlant des jeux, il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont jouer à leur iPhone 7 ou qui sont en train de jouer. Et bien sachez que aussi il y a d'énormes progrès sur les jeux vidéo parce que, alors moi j'ai pris un exemple de Asphalt 8, c'est un jeu qui est assez gourmand et aujourd'hui l'iPhone ne chauffe plus trop sur les jeux vidéo. Je suis très content sur ce point là. Il y a vraiment aussi d'énormes progrès sur les jeux les plus gourmands. L'iPhone ne chauffe pas trop, il chauffe un peu mais il chauffe pas trop. Donc voilà, c'est normal, c'est correct, mais il y a de l'amélioration. Donc pour tous les gens qui aiment faire des selfies, des photos sur des paysages, tout ça, faire des portraits, tout ça, et bien là vous êtes vraiment content parce que l'iPhone 7, vraiment il fait des photos 4K. Bon, pas tout le temps, mais on y reviendra après. Déjà, l'appareil photo Aria, c'est du 4K, c'est du 12 mégapixels avec une stabilisation optique de l'image. Donc, avec un flash aussi quadri-LED. Donc, pourquoi on dit quadri-LED? Parce qu'il y a 4 LED. On a un autofocus aussi entre l'appareil photo et le flash. Donc, c'est un petit point noir. Donc, c'est un petit laser en fait qui permet de faire une mise au point ultra rapide sur l'iPhone et ça permet de faire des très belles photos. En caméra frontale, on a une caméra de 7 mégapixels. Alors, je sais pas si c'est une stabilisation optique, je me suis pas renseigné pour ça. Mais aussi, il y a vraiment d'énormes progrès pour la caméra frontale. 7 mégapixels, je vous montrerai là, vous voyez, j'ai fait une photo là. Et franchement, je pense que la qualité est vraiment correcte. Donc là, je suis avec la caméra arrière de l'iPhone. Là, vous voyez, je suis en train de filmer. Donc on voit qu'il y a un énorme progrès sur la stabilisation optique de l'image. Je suis très content. Quand on marche, on ne ressent pas du tout les pas. Ça stabilise très bien l'image. Donc ça aussi, c'est un énorme progrès sur l'iPhone 7 parce que... surtout sur les anciens iPhone, on avait une stabilisation qui était aussi correcte, mais là on se croirait sur un Osmo presque de chez DJI. Je fais pas de partenariat avec DJI, attention, pas de placement de produit, mais voilà, il y a vraiment un énorme progrès sur la stabilisation optique, donc c'est très bien. Donc pour les panoramas, rien n'a bien changé, mais on peut en parler un petit peu si vous voulez. On a juste des panoramas 4K. Quand vous tournez votre iPhone, vous avez une ligne à suivre. Ça aussi, c'est 10 fois plus facile à suivre. Votre iPhone, il corrige automatiquement si vous faites des défauts sur la courbe. Donc ça, voilà, il y a quelques petites améliorations, mais rien de bien méchant. Donc maintenant, on va passer sur les points négatifs. Donc il y en a à peu près 4 ou 5. Et donc, il y en a qui peuvent vraiment parfois gêner dans la vie du quotidien. Donc pour le premier point négatif, c'est Touch ID. Donc quand vous avez le doigt mouillé ou que vous avez le doigt avec de la poussière, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on devrait avoir un Touch ID qui puisse résister à la poussière et à l'eau.
Donc ça, c'est vraiment un gros défaut qu'il y a sur cet iPhone 7. C'est, moi, je trouve que c'est le plus gros défaut qu'il y a. Donc c'est un truc vraiment à corriger. Et j'espère que sur l'iPhone 8, il sortira peut-être. Je sais pas, ça va être peut-être l'iPhone 9 ou ça sera un autre nom. Mais j'espère que ça sera corrigé. Les photos qui sont prises en zoom sont pas toutes nettes. Surtout sur les photos de nuit. Si vous faites un zoom sur une photo la nuit, ou que vous, voilà, vous faites un selfie avec des amis et que vous zoomez la nuit, alors là vous allez avoir une qualité vraiment dégueulasse. Ça sera pas pixelisé, je dis pas ça, mais vous aurez quand même une image, une photo pas très nette. Donc voilà, sur le prix de l'iPhone 7, ça manque vraiment de la photo sur le zoom, ça manque vraiment de progrès. Après, la caméra derrière en zoom, quand il fait jour, on a une très belle photo. On n'a pas une excellente, mais on a une très belle photo. Donc voilà, c'est kiff au niveau du zoom. J'ai fait des conversations vidéo sur Messenger, notamment avec William qui est en train de filmer là, donc je le remercie parce qu'il va être caméraman et il va être monteur de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc on a fait des conversations vidéo sur Messenger avec William et j'ai trouvé que l'iPhone 7 il chauffait vraiment beaucoup, énormément même. On pouvait faire même cuire une pizza dessus ou un cassoulet. Il chauffait vraiment beaucoup. Pourquoi, je ne sais pas. L'application, je trouve que Messenger n'est pas gourmande aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est un avis vraiment, c'est vraiment un des, aussi des plus gros défauts sur cet iPhone 7. Quand vous faites des conversations vidéo, vous allez voir que votre iPhone 7 va vraiment chauffer. Donc moi parfois je suis obligé de dire à mes amis, je vais vous quitter, j'ai pas envie que mon iPhone lâche tout ça. On sait jamais, hein, il peut y avoir un dysfonctionnement. Voilà, je préfère quitter l'appel vidéo. Mais c'est vraiment un gros défaut ça aussi, c'est que l'iPhone chauffe beaucoup en conversation vidéo sur Messenger. Et pour finir avec les points positifs, c'est 3D Touch. 3D Touch, je pense que beaucoup s'en servent aujourd'hui, notamment moi aussi. C'est un moyen pour faire des raccourcis, pour aller plus vite, quand on appuie un petit peu plus fort sur l'écran. On peut apercevoir qu'on accède plus facilement aux paramètres, donc notamment au Wi-Fi, aux données cellulaires, au Bluetooth, à la batterie, tout ça. Donc 3D Touch, j'ai eu un bug dessus. Donc qu'est-ce que c'est le bug? C'est qu'en fait quand vous appuyez fortement sur 3D Touch, vous avez une vibration et vous avez le petit menu raccourci qui s'ouvre. Et moi là en fait, il y a 2 jours, j'ai appuyé fortement sur 3D Touch et j'avais pas de vibration. C'était un bug. Pour enlever ce bug, il fallait que je redémarre mon iPhone. Ça me l'a pas refait depuis. Mais voilà, c'est un bug qui a été un petit peu dérangeant peut-être pour certaines personnes. Mais moi, comme j'étais habitué avec la vibration, voilà, ça manque. C'est comme s'il manquait un fonctionnement sur mon iPhone. J'étais vraiment dérangé par ce bug. Et pour finir, donc j'ai pris l'iPhone 7 noir mat. Donc je vous l'ai dit dans la vidéo du déballage de l'iPhone 7 qui sera dans la description de la vidéo. J'ai pris le noir mat. Et franchement, la couleur est très belle. Il y a quelques petites rayures en bas, mais ça se voit pas trop. Il faut vraiment être au jour. Mais voilà. Si vous voulez prendre le noir de G, vous savez ce que c'est le problème, c'est qu'il est très salissant, il est très rayable, il est très fragile, donc voilà, c'est rayable, le noir de G, c'est beau, mais voilà, c'est fragile. Donc moi les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. J'étais très content de tester ce modèle en vidéo, parce que c'est l'une des plus grosses vidéos sur la chaîne YouTube qui m'a demandé, je pense, le plus de bénéfices pour faire cette vidéo, tout ça. Donc un iPhone 7, hein, parce que c'est pas donné. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'est quand même, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je tiens à remercier aussi William qui a filmé pendant toute cette vidéo, qui m'a aidé, qui va me faire les montages maintenant, fait que je vais lui apprendre à faire les montages, qui fait caméraman maintenant sur ma chaîne YouTube. Voilà, il m'a aidé pour cette vidéo. Et pour finir, donc j'ai pris l'iPhone 7 noir mat, donc je vous l'ai dit en vidéo de déballage de l'iPhone 7 qui sera dans la description de la vidéo. Le prix c'est 769€ de base chez Apple, après vous pouvez peut-être le toucher moins cher chez votre opérateur, donc avec des points et tout ça. Donc moi je l'ai payé 769. Donc mes amis, c'est déjà fait cette vidéo. Donc si elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Et je vous dis salut. Donc pour finir, cet iPhone 7, c'est la couleur de noir. Et pour finir, donc cet iPhone 7, je l'ai pris noir de G, donc le prix c'est 769€. Donc c'est le prix de chez Apple de base. Après vous pouvez le toucher moins cher. Quoi? T'as dit noir de G? Sur ce, amis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et partager. Et Donc là, vous le voyez, je suis avec la vidéo. Donc là, vous le voyez, je suis en caméra. Donc là, je suis en caméra arrière, la caméra de. Donc là, je filme avec la caméra arrière de l'iPhone. Ça m'énerve. C'était bien là.